problème, c'est pour justement sensibiliser un peu l'entrepreneur, mais aussi le grand public qui aujourd'hui mène de voir, hein, mène de voir la manière qu'il nous prépare un document qui a servi après pour être utilisé pour une décision dans le business, dans le monde des affaires. Alors, maintenant, d'un côté, une personne qui il y a la formation et dans les compétences, et dans aussi un devoir envers l'organisation avec qui je totalement pour respecter certaines normes, certains standards et adhérer avec différents codes d'éthique. Alors, cette personne-là, donc, vous êtes bien, donc, observe toutes ces normes-là. Or, si nous pas prenons service de cette personne-là, et nous prenons même, allons-y, les personnes qui n'ont aucune formation, aucune donc, affiliation avec une association qui, quand vous observez cette norme-là, donc vous risquez, mais tout de même en difficulté, dans le sens qui vous gagnez un service pas à la hauteur, vous gagnez un document, un rapport qui vous préparez, qui part au nord, et ça, il est capable d'amener le failure d'une entreprise. Alors, c'est un petit peu ce rôle-là. Le thème, c'est qui nous bizarre, qui nous connaît avec qui nous travaille, avec qui ça nous paye, nous paye à faire, ou qui, des services qui nous paye à TAN, il y a un service qui répond aux normes qui sont aussi établies, par organisation des comptables et autres. Alors, c'est ça l'objectif même de ça. De cet événement d'aujourd'hui-là pour capable permettre qui, bien sûr, nous pas laisse nous rendre dans une chose cliché de comme si, bon, bah, c'est coûte cher. Ce qui vient rappeler à l'autre, c'est dans un monde qui pas performe. Il ne fallait pas qu'il nous, à cause de quelques brebis galeuses, nous endommage la réputation de toute une profession. C'est ça qui nous a tout le temps ramené à l'autre. D'ailleurs, on vient de dire, la profession, des comptables, exige à bien continuellement faire la formation continue, le CPD, pour qu'ils soient capables de garder toujours à place, à jour, avec tout le développement qui est énorme dans le secteur, parce qu'ils ont aussi les normes censées, les règlements censés, l'évolution de l'environnement censé. Alors, si vous restez comme si vous qualifiez 20 ans de cela, 30 ans de cela, mais aujourd'hui, ce que vous finissez à apprendre pendant une période d'études, ben, il finit révolu complètement. Alors, si vous pas gradué à jour, ben, vous risquez d'être déphasé complètement. C'est pour ça que les body accountancy ont exigé qu'ils obtiennent un continuous development plan, hein, le professional development, pour qu'ils soient capables de garder toujours à jour avec le développement.